pas gagné pour le matin. Hein. Et c'est la même chose pour mais la ville au Cap, tout est gagné. Mais un festival qui était organisé la veille pour tout le monde qui était fait déplacement, pour tout le monde en ville là tout, et pour être capable de commémorer la date 15 août. Alors, Nabdi, bonne fête Notre-Dame de l'Assomption avec toute Cayen et toute Capois, tout le monde qui a vécu Petit Guadou, Waname, pas seulement, que nous connaissons, qui c'est Saint Patron, bien ville ça. Alors, nous toujours au niveau de du Cap, plus précisément au niveau de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, côté que nous allons suivre procession d'Andrea, eh bien, qui a fait au niveau de cathédrale là.
Bernard, un téléspectateur international d'Haïti, président Jovenel Moïse, et même fait rêver au niveau de l'Assomption. Et puis, après quelqu'un pour participer, l'Assomption est une célébration. National d'Haïti, les messes entrent à le commencer au niveau de cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Déjà président, eh bien, lui-même déjà il prend place pour les capables de vivre messe solennelle, ça, que m'a rappelé nous célébrant administrateur diocésain lui-même qui pral fait office de célébrant principal, Gabriel Gilmiste. Nous pral gagner avec lui plusieurs autres prêtres qui a accompagné, notamment Père Lazare, nous pral gagner le premier vicaire. Lui-même Père Brunel, Pierre, qui va l'accompagner, le célébrant principal. Avec qui nous suivre la messe. Amen. Le Seigneur soit avec vous. C'est dans la joie que nous sommes là pour célébrer grandiosement l'entrée de Marie, la mère de Jésus, au ciel, avec son corps, avec son âme. Il n'y a pas de doute qu'à l'occasion de ce service, le Seigneur est au milieu de nous pour accueillir nos louanges, pour nous parler, pour écouter nos supplications. Pourtant, nous sommes tous de pauvres pécheurs, et lui seul, le Seigneur, est saint. Prenons un moment pour nous préparer à cette rencontre avec le Seigneur. Reconnaissons nos péchés et humblement demandons-lui de nous prendre en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. La femme de l'Apocalypse nous présente le visage de l'Église qui est en lutte sur cette terre, mais qui doit remporter irrémédiablement la victoire contre les forces du mal et de la mort. C'est ce que nous retenons pour vous dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 11e. Verset 19a, puis le chapitre 12e, les versets 1 à 6a, puis 10 à b. De par sa mort et sa résurrection, Jésus nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 15e, les versets 20 à 27a. Écoutons. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par des douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations. Les menant avec un sceptre de fer, l'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait: voici maintenant le salut, la puissance et la loyauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur.
accompagne lui pour cortège. On les conduit parmi les sons de fête. Et l'ordre au palais du roi. Ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Qui chapitre 1er, saute verset 39, rive verset 56. Joussayo, Marie le fait bien pressé, li parti al nan mon nan ville Jida. Li entre kay Zakari, li salye Elisabeth. Voilà, kou Elisabeth tande Marie salye la. Si bébé a dansé dans le ventre, l'Esprit Saint vient apparaître, il
il dit bien fort, bon Dieu béni ou passé toute fille, et li béni petit ou à tout. Côté ça sorti pour moi, pour maman grand-mère moyen, vin visiter. Regardez non. Kou bonjour l'arrivée dans oreille moi, si bébé apprend danser dans ventre moi, tellement li content. À la chance pour parce que ou te croué, dans parole grand-mère là te voyé dire là. Parce que ça li te voyé dire yo réalisé. Laisse ça Marie dit nan mwen a fait fête pour grand-mère là qu'aime content nan bon Dieu sauve m là parce que li point ka pauvre servant li a mais depuis laisse ça dernier rasmoun a dit à la chance moins gagné parce que si là qui gen tout pouvoir fait en pile merveille pour moi. Ah oui, renommé sans pareil, tout bon vrai. Que sensible y a après te race en race pour tout le monde qui respecte elle à force qu'on y est li. Li gaye tout ça que t'as propose yo, li chavire tout gros pouvoir sous fauteuil yo. Li le petit faible yo mette en l'air, li comble pauvre malheureux yo ak bien, li voye riche yo aller ak main yo vide. Li prend soin peuple Israël là cap servi li parce que li songe contre li a à promesse li te fait papa nou yo nan faveur li te fait Abraham à grâce li pour tout temps. Marie rete ka Elisabeth 3 mois comme ça, après ça li retourne la caille. Frère Alchemio on fait louange à compliment pour parole grand. Excellence, Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, Monseigneur Gabriel Julmis, administrateur apostolique de l'archidiocèse du Cap Haïtien, Excellence, Monsieur le Ministre, Révérend Père, membre du clergé de la cathédrale, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, mesdames, messieurs, représentants du pouvoir exécutif, honorables parlementaires de la ville du Cap-Haïtien, autorités civiles, judiciaires, policières et politiques, honorables maires et conseillers municipaux de la ville du Cap Haïtien, religieux, religieuses ici présents, la presse parlée, écrite et télévisée, dévots, dévotes de Notre-Dame de l'Assomption, pèlerins, pèlerins,
pèlerines venues de partout, des vrais fidèles de cette cathédrale, frères et sœurs dans le Christ. À toute personne et institution qui fête leur anniversaire aujourd'hui, je souhaite un joyeux anniversaire. À la ville du Cap Haïtien, à la grande chorale de la cathédrale qui fête ses 110 ans, à l'orchestre Tropicana d'Haïti pour ses 55 ans et à la radio Citadelle. Venu des quatre coins de l'horizon, nous voici rassemblés dans l'enceinte de cette cathédrale pour célébrer de la joie et l'allégresse l'élévation de Marie dans la gloire du ciel, communément appelée l'Assomption de Marie. Cette année commémore les 68 ans où Sa Sainteté le Pape Pie XII, par la Constitution apostolique Muni Ficentissimus Deus, promulgue le dogme de l'Assomption. En effet, avec le consentement des cardinaux et des évêques du monde entier, en communion avec l'Église de Rome, par cette constitution, le 1er novembre 1950, le Saint-Père affirme: nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Conception, Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été enlevée en âme et en corps à la gloire céleste. Cette fête nous porte aujourd'hui à la découverte de l'identité de Marie, non pas comme un personnage figé et extra-biblique, mais comme une figure de proue, une figure emblématique qui a collaboré à l'œuvre salvifique et du dessein de Dieu pour la race humaine. L'Assomption de Marie est la fête du salut définitif de la création. Elle présente en Marie la foi menée à la plénitude. C'est pourquoi elle met en lumière la destinée finale de notre pèlerinage terrestre. Marie n'est pas un personnage isolé. Elle ne nous est pas venue comme un cheveu sous la soupe. C'est depuis l'ancien contrat. Bon Dieu t'a annoncé. Après serpent, t'es passé par Ève, Adam,
pour garder plein la vie, bon Dieu t'a créé pour ce monde. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon, dit le Seigneur au serpent. Genèse chapitre 3, verset 15. Prophète Isaïe et Michée t'est annoncé comme la Vierge Mère. Isaïe 7, verset 14, Michée 5, verset 2 et 3. Pour Laurentin, Marie est la fille de Sion. Elle représente Israël dans son ensemble. Comme l'arche de l'Alliance, habitant dans la ville de Sion, c'est-à-dire dans le cœur du peuple Israël, ainsi Jésus habitera dans le cœur de Marie. Sophonie, chapitre 3, versets 14 et 17. Toute l'ancienne alliance ne manquera pas de signaler des figures annonciatrices de Marie, comme Myriam, Esther, Judith, Bethsabée. Dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, elle est vue comme la nouvelle Ève. Romains, chapitre 5, verset 12 à 19. Elle est nouvelle Ève, dans et par le nouvel Adam. Même Jean-Ève t'es à côté Adam, c'est comme ça Marie t'es à côté Christ là. Sous quoi Ève a désobéi et Marie a obéi. C'est pourquoi Saint Irénée l'appelle mère de ceux qui ont compris l'évangile. En 408 de notre ère, elle est appelée mère du salut. En 466, mère de l'Oikoumenia, c'est-à-dire mère du grand rassemblement. Donc, Marie, c'est maman la vie. Maman tout le monde qui besoin la vie. Et tout le monde qui besoin la vie, viens joindre Marie, la aider nous joindre la vie dans petite Lia. Marie, dans sa vie terrestre, n'était jamais aliénée et passive. Donc pour l'évangile, nous sommes écoutés à aider nous comprendre ça. Sa figure apparaît très claire dans le Nouveau Testament, plus particulièrement à l'Annonciation, à la Visitation, à la Nativité, à la Présentation au Temple, dans les débuts du ministère de Jésus à Cana, au Calvaire. L'y avancer dans la foi, au fur et à mesure que petite Lee a grandi. Sa foi a grandi jusqu'à la croix. Elle se trouve au cénacle, au milieu des apôtres, au cœur de l'église naissante. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 14. Une fois accompli le cours de sa vie sur cette terre, elle est exaltée dans la gloire du ciel et détient le titre reine de l'univers, d'où le dogme de l'Assomption. Frème avec Semio,
absorption a dit nous Marie monte dans le ciel là avec tout colli avec tout nomni sans lui pas connaître la mort. C'est une grosse vérité qui pas écrit clairement dans la Bible là. Mais si nous faisons intelligence nos travail, nous sommes capables de comprendre lui en fonction de sa Bible là rapportée. Saint Paul, dans Romains chapitre 6, verset 23, dit nous, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, la mort, c'est conséquence péché. Puisque Marie pas fait péché, Koli pas qu'à mourir. Koli pas qu'à connaître dégradation. C'est ça qui fait l'infinicus pèlerinage la ville sous terre et papa bon Dieu le veli dans la gloire à tout Koli à tout nomni. À l'évangile, nous sorti goûter transformation ça. Nous tendons de la bouche d'Elisabeth. Elisabeth a déclaré bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et le pape François écrit à ce propos dans son encyclique Lumen Fidei, à la plénitude des temps, la parole de Dieu s'est adressée à Marie. Marie s'est engagée totalement dans sa parole devant l'ange Gabriel à l'Annonciation. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Que votre oui soit oui, demandait Jésus. Le oui de Marie a été total, sans condition. Contrat sans clause restrictive. Le tout de sa fécondité ne prend sens que par le tout de son oui. Marie a tout reçu parce qu'elle a tout donné. Le mystère de l'Assomption ne se comprend qu'en regard à la maternité divine de Marie. C'est parce que Marie a tout donné, y compris sa chair, son corps, que nous pouvons célébrer son entrée, corps et âme, dans le ciel. C'est toute la vie de Marie qui a été assumée. Sa chair offerte à Dieu est maintenant glorifiée. Nous ne pouvons, frères et sœurs, qu'être dans la joie ce matin, en communion à l'allégresse de l'Église qui célèbre l'Assomption de Marie. C'est la joie des enfants de Dieu qui sont en même temps les fils et les filles de Marie. Ce que nous contemplons en Marie, c'est ce que nous sommes tous appelés à devenir par la grâce de Dieu. L'Assomption de Marie préfigure notre résurrection à venir. Oui, notre corps sera
glorifié. Oui, toute notre chair est promise à la résurrection. Nous sommes promis, destinés au même itinéraire de gloire à travers les vicissitudes de notre vie, comme celle de la Vierge Marie. La gloire passe toujours par la croix. Saint Paul nous aide à comprendre davantage l'Assomption de Marie dans le mystère de l'Église. Dans la mesure où les croyants sont unis au Christ et participant à sa souffrance, ils ont part par l'Esprit Saint à sa gloire et sont ressuscités avec lui. En anticipation de la résurrection finale. Romains chapitre 8, verset 17, Éphésiens chapitre 2, verset 6. La Vierge Marie est la disciple fidèle, pleinement présente avec Dieu dans le Christ. Elle est la mère de Jésus-Christ, unie en Christ plus que quiconque, sur terre et au ciel. Jésus, sous la plume de l'évangéliste Luc, nous dit que sa mère est heureuse car elle a écouté la parole de Dieu et l'a gardée. Notre corps est destiné lui aussi à se laisser envelopper de la resplendissante lumière de la vie divine. Nous devons préparer notre corps pour ce merveilleux destin. Et je dis à nous assister comment un pile monde tombait dans la prostitution koyo, ce qui conduit à un effacement de la prête de Dieu dans le corps. Je dis à en pile monde, en pile jeune, à van koyo, en pile à marcher tout uni. C'est tout uni qui a la mort. En pile à faire tatouage. Il y a ça qui change sexe, qui change couleur yo, à forme yo. Dans ce sens, la fête de la glorification du corps de Marie nous pousse à récupérer la dignité perdue du corps humain. Le corps humain doit être l'image du vrai amour de Dieu. L'amour n'en pas penser à sa captonne en haut, sa captonne puis devant. Nous transformer terre en l'enfer. Cette fête de l'Assomption nous invite à regarder vers le haut, vers le ciel, notre demeure éternelle. Jodia, montre-nous en triste et malheureux, parce que l'hypédie sens. Qui vit sa vie sans savoir qu'il y aura un paradis ou un enfer après cette vie selon ses œuvres, ses comportements ne retrouvera jamais le sens de la vie, il ne sera jamais heureux. Il faut vivre avec l'espérance. L'espérance de la vie éternelle.
ce que Saint-Pierre nous a dit. Attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Frère avec Seigneur. Qui vient nous quitter personne, retirez en nous cette espérance d'une vie heureuse avec notre Dame et son Fils bien-aimé. Bon Dieu, créez-nous pour la vie, pour le bonheur. C'est ça, bon Dieu, voulait pour nous. Gloria Dei, homo vivens. Volonté, mon Dieu, papa. En toutes circonstances, il t'est obéi, mon Dieu. C'est pour sa fête. Chondia, selon ta parole. Marie a collaboré sous terre. Mon Dieu, grand-mère là. Besoin nous chaque qu'il a. Et depuis création, libre nous responsabilité. Responsabilité pour nous dompter terre. Responsabilité pour nous travailler. Pour nous faire terre vine plus belle. C'est vocation nous chaque et vocation nous toutes. Et spécialement, si la yoli relais, non position spéciale, soit comme pape, soit comme cardinal, soit comme évêque, comme prêtre, diacre et latrier, soit comme président de la République, comme ministre, comme directeur, comme parlementaire et tant d'autres. C'est nous qui pour continuer travail. Mon Dieu, de commencer. Il faut être co-créateur. On continue mission. Jésus, petit bon Dieu, devine accompli sous toute terre. À nos chaque qui l'a, tant pour Marie, prend conscience de cette responsabilité, de cette mission. On nous chercher, mettez tête nous ensemble, pour nous être jeunes et capables de collaborer, pour te avoir une plus belle. Spécialement, pour nous même pas bon ici, dans la ville du Cap Haïtien. La ville qui s'appelait autrefois le Paris de Saint-Domingue. Pour notre Haïti qui fut la perle des Antilles. Pile effort à fait, oui, faut président à gouvernement, mettez tête ensemble. Il faut que le Cap renaisse de ses cendres. Président, d'arrêter mon petit lap libarou dans le Vilo Cap. Sans autorité dans le Vilo Cap, il n'y a pas de soi là. Il n'y a pas de temps faire aucune manœuvre. 30 minutes, la pluie compte pour mettre la ville du Cap tête en bas. Président, ministre qui l'a, parlementaire qui l'a, l'on passe dans tout l'autre pays, bon la mer, où est belle caille, bel hôtel. Nous-mêmes, bon la mer, il y aurait les nous dans Ramblais. Depuis où on met passé dans l'emblée, c'est pas la mer. Et c'est pas bagage capable de garder. Il faut faire quelque chose.
Président, nous ne connaissons pas au seul cap fait ça. Nous connaissons une bonne volonté. Et c'est pour tout directeur généraux, députés, sénateurs, politiciens, politiciennes, la mairie du Cap Haïtien. C'est pour nous chita. Plusieurs fois, je lis sur pancarte états généraux qui t'a fait. Pas exactement chercher qu'on est, ça fait un deuil. Surtout, c'est dans la ville au Cap où nous réfléchissons, nous posons problème. Ville ça, la ville de lumière. Nous avons un pile, belle bagaille dans le département. Nous avons l'Abadi, nous avons Citadelle. Toussaint l'ouverture naît au haut du cap de Salines à Commières. La dernière bataille de l'indépendance à Vertières. C'est une ville historique. L'OTAN, nous défendons à qui vient avec étrangers en pile touriste. Je dis à eux disparaître. Parce que de jour en jour, la vie en ville là a transformé. Au lieu de vivre plus bon, de vivre plus mal. Si pays voisin nous, avec qui nous partageons l'île, si sous le président de Boyer, nous t'es occupé Saint-Domingue pendant 21 ans, nous t'appelons, moi Saint-Domingue. Sont inaugurés deuxième ligne métro lit motocyclette deux roues trois roues fait moun à pied point blocus. Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut que quelque chose se fasse. D'attendre la manne sortie dans le ciel. C'est nous, bon Dieu, de remettre la relais. C'est nous, bon Dieu, de remettre la voyer dans la mission. C'est nous qui pour parler pour lui. C'est nous qui pour dire comment bon Dieu est bon. Comment mon Dieu s'est remis? C'est nous qui travaillons pour lui. Tant qu'il était relé en pilote et qui était point responsabilité yo, et qui était même rivé sacrifier intérêt et sacrifier propre tête payo pour la cause de l'évangile, pour la cause du royaume. Bon Dieu, remettre là, remettre nous mission ça. Mission, il devrait propre petit lit Jésus-Christ. Vin accompli en haute terre. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Jésus est venu pour nous pas périr, mais pour nous joindre la vie qui n'est pas jamais finie. Frem avec Sergio, nous fait Assomption, la Vierge Marie. Nous jouons une invitation pour nous capables de marcher avec Dieu dans la confiance et l'espérance. Marie dérangée corps. Pour le faire volonté, mon Dieu. L'idée fait le proche de tout le monde, particulièrement les affligés, les pauvres, ceux qui ont des problèmes de santé, des familles accroupies par la souffrance
de la misère. Regardez comment l'Ital porte concours lui, ma cousine lui, Elisabeth, qui était en besoin. Chodzia, quand pile souffrance, Chodzia, quand pile monde qui abandonné, quand pile monde qui pour contre l'école après l'ouvrir. Nous déjà attendons dans la paroisse nous yon, cri malheureux qui a posé question. Qui déjà dit qui c'est au point le faire. Quand pile jeune dans la ria, tête yon bien formé. Tête yon bien formé. C'est pas capable, yon pas capable. C'est la vie qui manque, souris pour yo. Parents yo fait tout ça au capable. À bout de couteau. Et nous capables de bout de couteau. Parents yo, cultivateurs nous yo, besoin d'aide, yo besoin de concours, yo travail. Haïti est un pays essentiellement agricole. C'est ça nous lit. Parents nous yo, nous connaît avec des outils rudimentaires, un bout de couteau, yon manchette, ak yon rou. Avec ça, yon goumé yon bataille, yon fait éducation, si moun yo, yon paye l'école. Après baccalauréat, faut gen université qui accueille petit malheureux. Il y a un pile dans la l'arrière qui est très très intelligent. Mais ces chances, ils n'ont pas gagné. Nous souhaitons que le nouveau gouvernement capable monter là. Jeter un regard spécial sur ce monde ça yo. Surtout jeunes yo. C'est pour la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Portez-nous secours. Portez président secours. Portez ministre secours. Portez tout le monde qui a responsabilité, qui a un pays à Naméo, pour nous mettre pays à sous route. Développement, nous capables. Sous parti à l'étranger, Haïti a produit beaucoup d'étoiles, mais des étoiles qui ne brillent pas chez nous, mais des étoiles qui brillent surtout à l'étranger. Nous l'aime t'étendre même à la NASA, une présence haïtienne. Nous capables. Nous sommes un peuple qui est fort, qui est dynamique. Un peuple qui est intelligent. Analphabète, les ancêtres nous ont fait 1804. Technologie n'a pas avancé. En robotique, en rocheval, ils ont mené une bataille là. Ils ont crasé l'armée. Napoléon, gentil maître, gentil maîtresse. Et aujourd'hui, nous dans mondialisation. C'est le temps d'Internet. Yon ti plop, plop, plop. Mais ça, je suis sorti en Haïti. Tombé dans un pays étranger. Nous assez équipés. Tant pour yon même tout. Ça pire, nous te vle dit nous plus intelligents. Nous capables. Besoin de présence, l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous. Et baptisé, l'Esprit de Dieu habitait en nous. La force de Dieu. Qui était nous animé par la présence de l'Esprit Saint. Comme Marie, qui était conduit par cet Esprit
l'Esprit de Dieu qui te fait choisir sa pi bon rang, fait volonté, mon Dieu. Que cette fête aujourd'hui, fête de Marie, l'étoile du matin, la Vierge de l'Assomption, l'espérance du peuple haïtien, et pour ensemble, yon avec l'autre, la main dans la main, avec le président de la République, avec le gouvernement, avec nos sénateurs, nos députés, nous marchons vers le développement d'Haïti pour que Haïti retourne saltéier avant la perle des Antilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Campé pour nous capables de proclamer la foi nous dans bon Dieu qui est capable d'aider nous à former la terre. J'ai une mission pour nous faire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ, son Fils unique. Du Saint-Esprit, elle est de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifiée, est morte et a été ensevelie, est descendue aux enfers, le troisième jour est ressuscitée des morts, est montée aux cieux, est assise à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, la vie et l'air. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons unir nos voix pour présenter à notre Dieu nos demandes. Supplions ensemble. De Jésus-Christ, répandu à la face du monde, afin que par l'entremise de Marie, elle nous aide à faire la volonté de Dieu en tout temps et en tout lieu. Prions le Seigneur. Chef dans le monde, si tout chef dans le pays d'Haïti. Pour dans exemple Maman Marie, Notre-Dame l'Assomption, yon rive météo dans le service tout le monde, yon façon spéciale si la yon qui pipiti yon, pour faire rey bon Dieu avance parmi nous, en nous la prière. Thank you.
qui souffrent, les malades, les prisonniers, les sans-secours, les marginalisés et les méprisés, afin que Marie Notre-Dame de l'Assomption intervienne pour eux auprès de Jésus pour que leur souffrance se transforme en source de joie et d'espérance. Prions le Seigneur. Pour cette patronne, Marie, Notre-Dame l'Assomption, qui a célébré plus de 1 siècle d'existence. Pour l'Orchestre Tropicana d'Haïti, Radio Citadelle, Vilo Cap, et Télé Capoise, qui a fêté sous bannière Notre-Dame. Pour un exemple, cette patronne, qui a arrivé à faire volonté de bon Dieu tout le temps. Pour, à travers mon travail, y'a bail, y'a fait chanter gloire pour mon Dieu. Pour nous toutes qui sommes tout partout, pour la prière dans circonstances, faites Notre-Dame l'Assomption. Pour Marie, nos jours grâce à ça, attirez sous nous en pile faveur avec bénédiction, pour nous vivre plus bien avec bon Dieu, avec frère, avec Seigneur. Pour la vie, nous jouons une vraie sens, en nous la prière. Continuons de prier le Seigneur. Seigneur, ce ne sont pas seulement les demandes que nous venons d'exprimer à haute voix que nous mettons devant toi. Nous mettons devant toi tous nos besoins. Les besoins de chacun de nous, ici réunis. Nous mettons devant toi les besoins des artisans, les besoins des professionnels, les besoins des pauvres. Nous mettons devant toi les besoins des autorités qui participent avec nous à cette cérémonie. Écoute, Seigneur, nos supplications et viens à notre secours. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Car il est Dieu pour les siècles des siècles.
Thank you.
Jésus-Christ, ton Fils, mon Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, elle est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, au rang de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté son propre fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Vraiment saint de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Et en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque, Monseigneur Launay, l'ensemble des évêques, les prêtres, le clergé de la cathédrale, l'administrateur diocésain, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, le peuple des pèlerins, le peuple des paroissiens et des paroissiennes,
l'Église d'Haïti, qui ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unissons nos voix, frères et sœurs, pour dire avec confiance cette belle prière que le Seigneur lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, mes sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
nombreux sommes-nous invités à partager le repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Seigneur nous gardent tous pour la vie éternelle.
Thank you.
frères et sœurs, en Marie, Notre-Dame de l'Assomption, Dieu nous montre combien il nous aime. Ce qu'il veut pour nous, c'est que nous parvenions au salut éternel. Pour tout ce qu'il a réalisé pour nous, en Marie, Notre-Dame de l'Assomption, disons-lui de tout cœur un merci empreint d'amour et de reconnaissance. À présent, chantons avec la chorale le chant d'action de grâce.
prions encore le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Son Excellence, M. Jovenel Moïse, Président de la République, Monseigneur Gabriel Jumis, Administrateur diocésain de l'Archidiocèse, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, chers diacres de la Sainte Église, Messieurs les membres du cabinet ministériel, honorables parlementaires, Madame, Messieurs, membres de la municipalité du Cap-Haïtien, Madame, Messieurs, Mesdames, Messieurs les directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs de la police nationale, dans vos rangs et vos grades, Mesdames, Messieurs du Grand Corps de l'État, voilà un mercredi qui a l'allure de dimanche, jour de joie et de résurrection. En effet, l'Eucharistie et la Pâque, qu'elle soit célébrée en semaine ou dimanche, considérée comme Pâque hebdomadaire, nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ comme il nous le commande jusqu'à son retour. C'est vrai que nous avons l'habitude de prier seuls, en notre domicile ou ailleurs, mais la prière en communauté renforce la foi et trouve beaucoup plus d'agrément auprès du Seigneur. En effet, aujourd'hui, c'est un peu extraordinaire. C'est notre fête patronale, c'est la fête de la ville du Cap et de plusieurs institutions chères à nous tous. Nous célébrons l'Assomption de Marie, mère de Jésus, mère de l'Église, mère de tous les croyants. En effet, dès la résurrection, les Écritures nous invitent à rechercher les choses d'en haut, ce qui fait honneur, ce qui est saint, ce qui est susceptible de nous donner la grâce de la montée
L'Assomption de Marie est une préfiguration, une anticipation de l'entrée des enfants de Dieu dans la patrie céleste. C'est la destinée de tous les baptisés, de tous les croyants. Je présume que la présence de tout un chacun en cette liturgie eucharistique symbolise une démarche, une velléité vers notre entrée dans le ciel, notre patrie commune. Notre appartenance au Christ doit se faire remarquer dans notre manière d'être. C'est notre façon de vivre que nous sommes capables de dire « Nous soyons chrétiens, nous soyons bons citoyens. » Excellence, Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, vous ne pouvez pas imaginer combien votre participation à cette fête patronale nous réjouit le cœur. Ça frise la tradition et nous aimerions bien vous voir encore avec nous l'année prochaine. Cela tient lieu d'invitation. Vous nous donnez l'espoir que les choses peuvent changer. C'est belle bagaille. Nous gagnons président cap la prière, qui partageait même la foi avec nous, qui croit que vraiment, même s'il a une bonne volonté, même s'il a des moyens, et qui moyen pour diable. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En effet, nous avons une bonne initiative que nous prenons. Nous avons la prière pour demain, capable de plus bon pour Haïti. Et nous avons travail pour ça tout. Nous inviter tous les citoyens et tout le monde de bonne volonté pour être capables d'encourager de nouvelles pratiques de civilité, de protection des vertus cardinales. Les amis téléspectateurs de Télévision Nationale d'Haïti, nous-mêmes nous toujours en direct de cathédrale Notre-Dame de l'Assomption en ville au Cap. On a rapidement fait une transition pour nous rejoindre l'équipe nous qui part au presse. Je le connais déjà. Bien, sélection féminine, même la prato. Nous allons rejoindre Jérôme, Pierre Miguel, Axophonie. Il va dire nous qui j'en saillais. Et après, on a retourné dans la ville au Cap pour nous capables de continuer, permettre nous vivre, et bien, messe qui a fait la ville au Cap, Notre-Dame de la Sorte.